Salut à tous les amis, c'est Oasis et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur l'application FUT15. Et oui, je l'attendais depuis un petit moment et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur cette application web. Le jeu sort dans maintenant 6 jours. On est le 19 actuellement, je tourne la vidéo. Donc en attendant, on va s'ouvrir les 4 petits packs qui m'ont offert gentiment dans la boutique. En attendant, je voulais voir mon équipe du début qui est assez à chier. Juste, je vais faire quelques changements. Ouais, donc ça, ça sert à rien. Hop. Attendez. Ça marche comme ça, déjà. J'avais zappé. Voilà, allez, c'est parti, on va ouvrir les petits packs. Alors, on a 4 packs. Pack tout joueur et un pack bronze. Bah, écoutez, on va faire dans l'ordre. Hein. Le premier, c'est parti. À voir ce qu'il a à nous offrir. En espérant que. Voilà. Destro, buteur. Un italien. Oh, Luis Gustavo, mais. D'accord. Thomas Pina. Ouais. Ouais. Lui, il est pas mal. Il est pas mal. Le petit Luis Gustavo, là. Pour une petite équipe argent, c'est pas trop mal. Destro, voire Rome. Ouais, quand même pas top, hein. Quand même pas top, on va tout stocker dans le club. De toute façon. Allez, on va voir le deuxième pack. Allez, allez. Offre-nous une petite perle rare. Gignac, c'est pas mal pour une petite équipe française. Si on veut, ouais, c'est pas trop mal. 80 tirs, 112 vitesse, 60. Vous avez vu que le physique dans ce FACAS a été remplacé par la tête a été remplacée par le physique. C'est plutôt intéressant. Fou, on a un petit bronze rare. Ouais. Ouais, c'est pas non plus très reluisant. Hein. On va ouvrir tout de suite l'autre. Allez, j'espère qu'on va avoir un peu de chance. Un petit peu de chance, s'il vous plaît. Un petit peu de chance. Ok, Bolat. Je vois Galatasaray. Ouais. Je vois que c'est pas. De toute façon, les packs. Oh, Rafinha. Rafinha, je l'ai eu l'année dernière dans FIFA 14. Il est plutôt bon. Pourquoi pas le mettre dans une Bundesliga. 72 de vitesse, 82 de tir. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais. Ouais, bon, ça c'est. D'accord. Par contre, je sais pas comment on fait pour. Pour afficher. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? Attendez. Alassane, 83 de vitesse, un avant-droit qui court mais qui ne. Ouais, niveau tir et passe, c'est pas trop ça, donc bon. Aliamani, ouais, d'accord. Allez, on va tout mettre dans le club. Hop. Et le dernier pack bronze. On s'attend à avoir un peu de la merde, hein, évidemment. Rojas, bon. Qu'est-ce qu'on a? On a le maillot. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Hop. Oh, j'ai vu qu'on avait un stade aussi. On a des contrats. On a un emblème. Mon emblème est plutôt pas mal, hein, il est ici. Je vais le garder. Bah écoutez, le maillot. On va le rendre actif à la place. Voilà, la place de celui-là, tiens. Le maillot extérieur. Le stade. Bah écoutez, le stade, déjà, on va le mettre. Comme ça, c'est fait. Les contrats, on a. Delgado, 73 de vitesse. Ouais. Tous des stats en dessous de 50. Enfin, en dessous de 60. À part la vitesse, c'est pas énorme. Pour race. Ouais, bidon aussi. Ah bon, après, c'est des bronzes, faut pas s'attendre. Hein. À avoir un truc de Bajo. Donc voilà, déjà
La boutique, on a fini. Alors, on va aller voir mon équipe. On va essayer de l'améliorer un petit peu. Déjà, la formation ne me convient pas du tout. Moi, je joue en 4-1-2-1-2. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, on va tout retirer de l'équipe. Vous savez quoi ? On va tout retirer de l'équipe. Par contre, il n'y a pas un bouton pour aller un peu plus vite. I don't know where I'm going either, but that's what makes it perfect. Cause when we get wherever there is, you know it'll be worth it. I'm picturing bright sass, everything lit up in neon, taking me beyond someone like you, like I was rocking a stage with Leon. King without a crown, a life without a plan, another hitch in the story. Voilà les gars, on se retrouve après que j'ai enlevé tous les joueurs de mon équipe. Et donc maintenant on va aller dans mon club joueur et on va faire de la revente. Alors de la revente tout simplement, c'est pour avoir des crédits, parce que comme vous voyez j'ai 0 crédit, 0 points FIFA. Dans tous les cas, si je revends tous mes joueurs et que je n'ai pas assez de crédits pour me faire une équipe entière, j'achèterai tout simplement des points FIFA. Donc alors c'est parti, déjà on va aller dans les joueurs argent. Les joueurs argent, ou alors les joueurs bronze rare. Donc tout simplement on va faire lister sur marché transfert, prix de départ 150, prix d'achat immédiat, donc on va mettre prix de départ 200 et prix d'achat immédiat 300. Ah, à faire ok. Donc on va vous allez tout lister. En fait c'est un petit tuto pour vous faire des petits crédits pour bien partir sur ce jeu. Donc prix de départ 150, donc on va mettre prix de départ 200, prix d'achat immédiat 300. Chaque fois vous allez mettre 300 crédits, vous allez voir que ça, si vous vendez déjà 2 joueurs, ça vous fait 600 crédits. Il y a moyen de s'acheter des petits joueurs or rares, pas trop mal. Donc voilà, vous pouvez les mettre, moi je peux les mettre une heure. Et donc voilà le petit business, moi je fais ça à chaque ouverture d'Ultimate Team. Ça fait maintenant depuis 2012 que je suis sur Ultimate Team et j'ai toujours fait ça. Donc ça a toujours bien rapporté au début. Notamment en ce moment ça va donc là vous voyez qu'on peut pas les lister parce que parce que je sais pas, mais bon lui on peut pas le lister, donc on va le lister. Allez, un prix de départ 200 300, voilà, ça nous fait un petit bon nombre de crédits. Et donc voilà, on va faire quelques joueurs bronze, on va pas tous les faire bien sûr, et on va aussi faire quelques joueurs argent. Donc je vais vendre par contre les rares. Les rares, on va les vendre, par exemple, hop, on va les vendre 350, on va mettre 50 crédits de plus que la normale. Acosta, 200, 350, ok. Et donc, on va aller maintenant s'attarder sur les bronzes. Donc, on a un bronze ici, qu'on ne peut pas vendre. C'est bien dommage. Voilà, donc on a des bronzes. Je sais pas si on... Ouais, ça, c'est ceux que j'ai eu dans les packs. Donc, on va les mettre à 300 prix de départ. Dans 250, alors on va être généreux, 250, 300 prix, 350, 400 prix d'achat immédiat. Voilà, allez hop, on va les mettre à 400. Faut toujours les mettre un tout petit peu plus cher de ce que vous avez payé à la base, quoi. Vous allez voir que dans à peu près 2-3 heures, je reviens et j'ai déjà vendu la moitié des joueurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. 400, voilà. Donc pour l'instant on peut faire que 20 transferts dispo, donc on va faire les 20, il nous en reste 10 à faire tranquille, puis je pense qu'on se quittera là dessus donc pour ce qui est de FIFA 15, je vais l'acheter le jour de la sortie, donc le 25. Par contre je pourrais pas vous proposer de vidéo tout simplement car je vais l'acheter sur Xbox One et je n'ai pas encore le boîtier d'acquisition pour la console. Je l'aurai sûrement début du mois. Et je pense que début du mois je pourrais vous proposer quand même pas mal de vidéos sur FIFA. Il y aura peut-être au début pas mal de FIFA, au début de FIFA 15, histoire que je vous montre l'évolution de mon équipe, etc. etc. Donc alors on va vendre d'ici là on va vendre Luis Gustavo, donc par contre on va le vendre un petit peu plus cher. Je sais pas trop combien il coûte à la base, il faudrait que je regarde sur FUTHEAD. Voilà. FUTHEAD, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site où vous pouvez voir combien vous pouvez revendre vos joueurs. Donc il vous fait une approximation du prix de vos joueurs tout simplement. Par exemple je sais pas moi, Ali Yamani, je le tape sur FUTHEAD et il va me sortir le prix
le prix de vente du joueur, donc sur les trois plateformes, donc PC, PS3, PS4 aussi, Xbox 360, Xbox One. Enfin, ce site-là fonctionne pas avec les consoles, mais plutôt sur le network, c'est-à-dire il va vous sortir bon PC, PlayStation Network, Xbox Live. Voilà, ce sera pas en fonction des consoles, ce sera pas par exemple plus cher sur Xbox One et moins cher sur 360, ce sera le même prix. Donc ce site vous indiquera les prix en fonction de ça. Donc là, il nous reste quoi? Des or. Bah écoutez, on va aller vendre quelques or. On va les mettre à 450 tranquillement. On va en faire encore 3-4. Écoutez, on se quittera là-dessus. Je vends un peu n'importe quoi parce que c'est des joueurs que je m'en fiche un petit peu. Moi je veux partir au début sur une BPL. Je pense que la plupart des gens partent sur une BPL. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une BPL, c'est une équipe Barclays Premier League. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui n'ont jamais joué à FIFA Ultimate Team et qui voudraient s'y mettre, je vous conseille pas de commencer avec l'appli web. Parce que c'est vrai que l'appli web, c'est pour ceux plutôt qui ont l'habitude de jouer à Ultimate Team, qui connaissent bien le principe, qui connaissent comment ça marche, les ventes, les transferts, les packs, etc. Donc moi, je vous conseille d'attendre la sortie du jeu, de lancer Ultimate Team, et ils vous expliqueront tout dans le jeu, ça y aura pas d'histoire. Donc voilà. Je tiens à dire que j'ai quand même assez galéré pour retrouver mon mot de passe et mon adresse Origin, parce que oui, il faut savoir que FUT maintenant ça marche avec des comptes Origin. Raffina par contre, je vais peut-être le garder. Par contre Bolat, je vais le vendre. Hop, 350 450, voilà. Destro 78, buteur. Problème c'est que bon allez, on va le vendre aussi. Parce que ouais, j'ai l'intention de me faire une petite équipe italienne aussi, mais bon. Gignac qu'on peut vendre. Et Gignac, il me semblait bien qu'il était en or rare dans le précédent. Peut-être j'ai d'une connerie. Mais c'est possible. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait quand même pas mal de transferts. Je continuerai hors caméra, sinon la vidéo va être un peu casse-cou pour vous. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite vidéo sur FUT 15, je voulais vraiment la faire cette vidéo. Écoutez, prochaine vidéo, peut-être, je sais pas, on verra. Peut-être, déjà, je vais baisser le rythme de vidéos, il va y avoir une vidéo par semaine, vu le nombre d'abonnés, ça sert à rien que je fasse plus. Si ça, je vois que ça augmente bien, pourquoi pas faire un peu plus de vidéos par semaine, 2, 3. Et donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien, et à la prochaine les gars, peace!